Ben, bonjour à tous, bonjour Céline. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Je vous remercie de nous suivre en direct pour cette nouvelle web découverte consacrée à l'écriture thérapeutique, donc intitulée « La plume qui vous donne des ailes ». On va voir pourquoi aujourd'hui ensemble, l'écriture thérapeutique, c'est un exercice simple à la portée de tout le monde qui apporte beaucoup de bien-être, qui permet de dénouer beaucoup de choses et qui nous reconnecte aussi à notre enfant, ce qu'on appelle notre enfant intérieur, selon les acceptions de chacun. En tout cas, la partie créative, c'est important à la fois pour aller vers son bien-être. Et si vous souhaitez écrire un livre aussi, restez parmi nous, vous pourrez bien sûr avoir des conseils de la part de Céline. Je vous prie d'accueillir Céline Dandois qui est avec nous de Belgique. Bonsoir tout le monde. Merci à tout le monde de nous suivre. Alors Céline, vous êtes membre, on va se tutoyer pour faire plus simple, membre des Arts et des Lettres de France. Ça consiste en quoi ? Alors c'est une organisation qui vise à promouvoir tout ce qui est artistique et littéraire en France au départ et puis maintenant à l'international. Et voilà, j'ai pu intégrer cette association parce que justement la recruteuse internationale a participé à un atelier d'écriture avec moi et m'a proposé de les rejoindre. Mais ça fait plusieurs années maintenant que tu accompagnes toute personne qui souhaite apprendre à mieux se connaître. Qui rencontre différents blocages dans sa vie. Et ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, c'est comment pratiquer l'écriture thérapeutique, parce que c'est simple, mais on a du mal à s'y mettre tout seul. Souvent, on a besoin un petit peu d'être guidé, d'être encouragé. Et puis après, il y a comment l'intégrer dans notre quotidien, parce qu'il faut que ça trouve sa place dans notre rythme de vie aussi. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a mené à l'écriture thérapeutique précisément ? Oui, avec plaisir. Alors moi, je lis et j'écris depuis que je suis toute petite, donc j'ai vraiment une affinité avec la langue française et les mots depuis très longtemps. Et j'ai commencé donc du coup avec l'école et puis beaucoup pour moi aussi, parce que il faut savoir que je suis née dans une famille très très anxiogène. Et j'avais énormément de mal à nouer des relations avec les autres, à comprendre le monde qui m'entourait, ce qui m'arrivait, etc. Et donc, j'avais énormément d'émotions comme ça qui me traversaient, même si à l'époque, je ne savais pas encore du tout ce que c'était. Et donc, j'avais besoin de décharger tout ça, de me libérer sous une forme qui, moi, ça a été l'écriture. Et j'ai fait beaucoup de poésie quand j'étais petite. Et il paraît que la poésie, c'est une forme particulière pour les enfants et notamment les enfants en souffrance. On retrouve beaucoup de poésie chez ces enfants-là. Et donc, l'écriture m'a accompagnée comme ça. Mon enfance et mon adolescence ont été assez compliquées. J'avais beaucoup de doutes sur moi, de questions. J'arrivais pas à prendre des bonnes décisions pour moi dans ma vie. Donc, j'essayais de me débrouiller toute seule. Je faisais un pas en avant, deux pas en arrière, voilà. Et puis, j'ai fini par déprimer, en fait. J'avais des symptômes de compensation alimentaire, des difficultés de vie et de relations. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible, je ne m'en sors pas et c'est pas la vie que je veux, c'est pas ce que je suis venue vivre sur Terre. Et là, j'ai commencé mon chemin de développement personnel. J'étais au début de la vingtaine et j'ai expérimenté plein de choses. J'adore tester et découvrir des nouvelles choses. Et sur ce chemin, j'ai rencontré les ateliers d'écriture. Et là, ça a été pour moi vraiment une révélation. C'était des ateliers assez classiques, donc orientés littéraires. Mais moi, ils m'ont touchée par le côté thérapeutique parce que j'ai vraiment ressenti des effets à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à avoir des changements positifs dans ma vie suite à ce que j'écrivais. Parce que petit à petit, réussi à dépasser mon rôle de victime que j'avais hérité quelque part et dont je n'avais pas conscience à l'époque, et à retrouver, grâce à l'écriture et à cette action d'écrire, le pouvoir finalement sur
mon vécu, mon ressenti et du coup sur les événements extérieurs de ma vie. Et pour moi, ça a été tellement extraordinaire. Je me suis dit, j'ai envie de le partager, de faire vivre ça à d'autres personnes. Et donc, je me suis formée à l'animation d'ateliers d'écriture. Et à nouveau, c'était une formation assez classique et littéraire. Mais du coup, moi, ce que je crée aujourd'hui, c'est des ateliers uniques dans le sens où ils sont vraiment orientés développement personnel. J'y mets toutes les techniques que j'ai expérimentées et qui fonctionnent sur moi et que j'ai envie de que je combine avec l'écriture pour renforcer leurs effets, à la fois tant de l'écriture et des autres approches psychologiques et de développement personnel. Et du coup, ça me permet de créer donc des ateliers uniques vraiment pour se dépasser soi, dépasser ses peurs et vraiment aller connecter et exprimer qui on est vraiment à l'intérieur de soi. Merci pour cette belle présentation. On sent en tout cas que Céline, elle est pleine de bienveillance, elle rayonne. Moi, je trouve que ton énergie est très agréable. J'ai vu sur tes pages qu'il y a pas mal de retours de personnes qui justement apprécient cette qualité que tu as de créer un climat de confiance et de sécurité, sans quoi on ne peut s'ouvrir même à l'écrit. Tout à fait. Et c'est une des particularités de l'écriture, c'est que l'écriture en elle-même, quand on est face à sa page blanche, c'est déjà un environnement de sécurité parce qu'on peut tout écrire en fait. Il ne se passe rien quand on écrit. On peut écrire toute la noirceur qu'on a en soi, toute la colère qu'on a en soi, toute la culpabilité, les pires choses qui existent en pensée, mais qui peuvent nous miner de l'intérieur et de pouvoir justement les sortir de nous sans qu'il se passe rien, c'est vraiment quelque chose de très très précieux en fait. Quels sont les différents cas que tu rencontres et dis-nous un petit peu ce qu'il est possible de révéler, de transformer grâce à l'écriture thérapeutique. J'ai vu que tu cherchais par exemple des personnes qui n'arrivent pas à dormir, qui ont des difficultés de sommeil. Tu prépares un atelier sur ce thème ? Pas sur ce thème spécifiquement, mais c'est clair que l'écriture aide énormément pour les troubles du sommeil et les ruminations mentales. Et en général, du coup, les personnes qui viennent vers moi, c'est des personnes qui sont hyper sensibles, hyper émotives. Donc voilà, les émotions prennent beaucoup de place dans leur vie. J'ai des personnes qui sont très timides aussi, ou très anxieuses, donc qui peuvent avoir beaucoup de peur, qui les freinent dans leur vie, dans ce qu'elles rêvent de vivre et de mettre en place. Et il y a quelque chose de plus fort qu'elles qui les en empêche. J'ai aussi des personnes qui sont en changement de vie, en transition de vie, et qui ont besoin de clarté et de soutien par rapport à ça, donc d'être encouragées et guidées dans cet appel finalement qu'elles ont en elles à vivre autre chose. Et j'ai aussi des personnes qui ont vécu des traumatismes, donc des situations compliquées, assez lourdes dans leur vie, et elles sentent qu'elles restent un peu bloquées dedans, qu'elles n'arrivent pas à passer à travers. Et d'ailleurs, l'écriture est reconnue pour les traumatismes. En France, il y a une psychiatre spécialiste qui va donner des ateliers d'écriture aux soldats qui reviennent de la guerre pour les aider à reconstruire leur vie. Donc c'est vraiment une technique reconnue même dans le milieu médical qui est vraiment utilisée par des psychiatres et des psychologues. Et pour les traumatismes, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de traumatisme, on imagine toujours des choses très graves, dramatiques. Mais en fait, un traumatisme, c'est quelque chose, en fait, c'est une situation qui s'est présentée à nous et pour laquelle on n'avait pas les ressources, pas les connaissances, pas l'expérience pour savoir comment gérer la situation. Et donc, on a un peu été dans un état comme ça de figement, de choc, finalement. De sidération. C'est ça, de sidération. C'est le mot que je cherchais. Et ça crée ce qu'on appelle une fragmentation de la personnalité. Donc, il y a une partie de notre personnalité qui reste bloquée un peu face à cet événement et qui tourne en boucle en disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Je souffre. » Et du coup, qui peut avoir des séquelles sur le quotidien, des séquelles liées à cet événement qui n'a pas été digéré.
mais ça peut être des événements tout à fait anodins, en fait. C'est vraiment lié à chaque personne et chaque vie qui est unique. Et une situation vécue par une personne peut être tout à fait une situation normale de vie anodine, et par une autre personne peut être vécue par un traumatisme. Donc c'est vraiment, il ne faut pas sous-estimer les difficultés qu'on peut ressentir dans notre vie quotidienne. Merci. Alors, on vous avait dit dans l'annonce qu'il y aurait deux surprises, à la fois un exercice pratique pendant cette webconférence, donc n'hésitez pas à préparer une feuille A4 et un stylo. Et puis, on vous parlera également de cadeaux que vous prépare Céline. Si vous souhaitez approfondir cette pratique avec elle, on vous en parlera en fin de rencontre. Et des cadeaux assez, assez conséquents, elle a été généreuse, alors on vous en parlera un peu plus tard. Donc, si on souhaite se mettre à l'écriture thérapeutique, par exemple, comme tu l'expliquais, on a une partie de notre personnalité qui est bloquée par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas encore à intégrer, on n'a pas encore les ressources à l'instant T. Et donc, se développe un discours intérieur, et c'est celui-là qui est dangereux finalement et qu'il faut sortir sur papier, ouais. J'ai envie de dire. Comment on s'y prend? Quels sont tes conseils? Alors, le plus simple, c'est étonnamment de prendre une feuille, un stylo et d'écrire. Donc vraiment, c'est ça qui est un peu qui est extraordinaire avec l'écriture, c'est que c'est accessible vraiment à tout le monde, en tout lieu, en tout moment. Et donc, mon conseil à moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie depuis que je l'ai fait, même si ça semble très simple, c'est d'avoir toujours un petit carnet avec vous et du coup un stylo, donc de quoi écrire. Et dès que vous sentez que vous avez besoin, vous écrivez ce que vous avez besoin d'écrire dans votre carnet. Donc ça peut être quelque chose de spontané vraiment dans le quotidien. Ça peut être aussi un rituel. C'est quelque chose qui est très bénéfique aussi. Le cerveau adore les rituels. D'écrire un petit peu tous les jours, le matin, le soir, vraiment, ça dépend de chacun, selon ce qui est bon pour vous. Et de déposer ce que vous avez à déposer, de poser une question que vous avez dans votre vie actuellement, de l'écrire et puis de voir ce qui sort et surtout de vous laisser écrire. Donc c'est vraiment... C'est vraiment un travail, une invitation à se reconnecter à son intuition. Et donc, au début, c'est peut-être pas évident, surtout si on est quelqu'un de très contrôlant. Mais avec la pratique, ça devient de plus en plus facile. Et on est vraiment surpris par les mots qui sortent et qui font vraiment des déclics et des libérations. Donc ça, c'est mon conseil le plus simple. C'est vraiment écrivez entre guillemets autant que vous pouvez, ou en tout cas quand vous en ressentez le besoin. C'est très libérateur et ça amène énormément d'apaisement et de sérénité. Et alors l'autre manière d'écrire, que moi je n'oppose pas, donc je trouve que c'est vraiment deux approches complémentaires, c'est d'écrire en étant guidé. Pourquoi ? Parce que le cerveau a cette tendance naturelle pour se protéger à ne pas aller là où ça fait peur, et donc là où il y a de la souffrance et là où il y a potentiellement aussi des solutions. Et donc quand on est guidé, ça permet d'être invité à écrire des choses sur lesquelles soit on n'aurait même pas pensé écrire, ou bien d'y aller en se disant ça me fait peur, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, ou peut-être même un groupe si c'est en groupe, et je vais y aller parce que je sais que je suis soutenue, quoi. Et donc ça, c'est l'autre manière d'écrire qui, selon moi, apporte énormément de bienfaits, et dans le sens aussi que ça va vous aider à grandir. Et les deux types d'écriture se nourrissent l'une l'autre. Donc, ce que vous apprenez en étant guidé, vous pouvez le réutiliser vous-même chez vous de manière autonome. Et donc, c'est vraiment aussi le but, c'est au final, surtout pas de devenir dépendant de quelqu'un ou d'un type d'écriture. C'est vraiment de pouvoir que votre écriture devienne votre compagnon de vie dans votre vie quotidienne, en fait. Il y a une forme d'autorisation à se donner. Tout à fait. J'imagine que tu as dû accompagner pas mal de personnes qui se disent, mais
Mais si quelqu'un tombe sur mon petit carnet, c'est quand même, ça, c'est insécurisant. Oui. Ça, complètement, c'est effectivement une question qui revient beaucoup, bah, surtout si on est si on ne vit pas seul, quoi, si on est avec d'autres personnes. Et là, bah, y a plusieurs options. Soit, voilà, soit y a un lien de confiance suffisant et on peut dire aux autres personnes avec lesquelles on vit, voilà, j'ai un carnet d'écriture et je te demande de ne pas y toucher. C'est mon territoire et mon jardin secret. Voilà, s'il y a assez de confiance, il n'y a aucun souci avec ça. Et si on a besoin d'être plus rassuré parce que peut-être on a déjà vécu des trahisons par le passé ou parce que c'est le début et qu'on a besoin d'être un peu plus rassuré au début, bien on peut vraiment acheter un petit coffre avec un cadenas, une serrure et on met son carnet dedans et c'est réglé. Et ça fait un peu coffre au trésor en plus. Donc, c'est sympa. Donc, ça permet de remettre en mouvement. C'est vrai que, comme tu le soulignais bien, il peut y avoir des mots qui sortent qui nous étonnent, parce qu'en libérant ce qui faisait obstruction dans notre discours intérieur, eh bien, là, tout à coup, peut-être qu'il y a ce qui est sous-jacent qui se révèle. Et j'imagine que toi, en tant qu'accompagnante, tu as aussi le rôle d'accompagner la personne à recevoir ce qui sort, parce qu'on peut se trouver bien démuni peut-être parfois devant ce qui arrive. Oui, complètement. Ça, c'est une des caractéristiques extraordinaires de l'écriture. Et c'est Marguerite Duras qui a dit ça, c'est qu'avant d'écrire, on ne sait jamais ce qu'on va écrire. Et c'est pour ça qu'il y a un côté un peu magique et un peu... un côté merveilleux comme ça. Et donc, effectivement, parfois, ça remue des émotions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Une fois que c'est sorti, c'est que le travail a été possible, en fait, a été réalisé ou au moins enclenché. Et donc, on est jamais en danger de mort, en fait. Au contraire, c'est qu'on a fait un pas vers la guérison. Donc, c'est possible que parfois, après l'écriture, on sente vraiment un peu remué en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Mais c'est un état transitoire qui passe, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. Et c'est vrai que parfois, si on touche à des choses un peu lourdes, on se dit « Ben là, voilà, j'ai quand même écrit quelque chose où je sens que c'est... » Il y a peut-être un peu plus derrière. On peut tout à fait aller voir un thérapeute, un psychologue qui va nous aider à aller creuser et à être accompagné par une autre approche et une autre dimension thérapeutique. En fait, c'est complémentaire. Les deux sont complémentaires. Merci. Alors, quel type de questions tu nous comptes ? Par exemple, on n'a jamais pratiqué ce type d'exercice. Par quel type de questions est-ce qu'on peut commencer juste pour être à l'aise, par exemple, avant d'entamer des gros dossiers ? Ah oui. C'est un peu ce qu'on verra tantôt. Donc, j'ai voulu faire un mini atelier vraiment accessible à tout le monde. Alors, pour ne pas dévoiler, je vais dire... Le plus simple pour commencer, c'est d'écrire sur son quotidien, donc un peu en mode journal intime, mais ça ne doit pas du tout être barbant, être une contrainte. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on a envie d'écrire. Et quelque chose qui est très intéressant aussi, que j'aime beaucoup faire, c'est quand je lis quelque chose qui me touche ou qui m'interpelle, c'est de... d'écrire dessus et d'aller voir un peu qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui fait écho à l'intérieur de moi ou dans ma vie et en quoi ça va m'aider. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, d'écrire à partir d'une inspiration ou peut-être d'une personne aussi inspirante qu'on a entendue ou vue. Au niveau de la régularité, si on veut obtenir un résultat, par exemple, sur une problématique, peut-être tu as des exemples à nous donner, est-ce que ça va être important de faire ça pendant plusieurs jours d'affilée? Est-ce qu'on peut suivre le ressenti, abandonner totalement pendant un mois et puis s'y remettre
plus tard. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, pour moi, la régularité est quand même importante, surtout au début. Après, avec la pratique de l'écriture, comme je disais, ça permet de développer son intuition. Et donc, en tout cas, moi, maintenant, ça m'arrive quand j'ai voilà une question, j'ai la réponse qui me vient sans avoir besoin d'écrire. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Mais au début, c'est bien d'avoir une certaine régularité. Et par exemple, mais après, bon, voilà, tous les jours, ça peut être compliqué étant donné les emplois du temps. Donc, par exemple, moi, dans les formats que je propose et que les gens apprécient, j'ai un atelier hebdomadaire d'une heure. Donc, c'est l'idée, ben, un peu comme on peut aller à son cours de danse, son cours de sport ou sa séance de yoga. Eh bien, on a sa séance d'écriture hebdomadaire pour se faire du bien, pour décharger ce qu'on a vécu cette semaine et préparer la semaine suivante. Donc ça, c'est quelque chose, une fois par semaine, c'est un bon timing. Et j'ai aussi des formats plus condensés pour faire un travail plus précis et plus défini. Et là, le format que les gens préfèrent, c'est 21 jours, 10 minutes par jour. Comme ça, ben, ça peut à nouveau facilement s'intégrer dans un agenda. Et 21 jours, c'est parce que bien les nouvelles habitudes s'ancrent à partir de 21 jours. Donc, c'est vraiment intéressant comme laps de temps. C'est pas trop court et pas trop long non plus. Et c'est vraiment c'est une perspective où on se dit « Ok, là, je vais vivre une expérience et une transformation sur 21 jours. » C'est une forme d'engagement et aussi un élan qu'on donne à sa vie, mais sans que ça prenne trop de place non plus. C'est là qu'on a besoin quand même de poser un engagement personnel, par exemple de prendre un coaching. Un coaching en ce sens, c'est une forme d'engagement personnel et du coup, ça va nous permettre d'aller jusqu'au bout de l'expérience et de pouvoir mieux apprécier les résultats qu'on obtient aussi avec l'accompagnement, je pense. Oui, tout à fait. Ça dépend des tempéraments, en fait. Hein. Oui. Mais c'est vrai que du coup, pour le programme de 21 jours, je suis les participantes parce que je sais que c'est difficile de s'y mettre, mais donc à nouveau, surtout au début, de garder le rythme. Parfois, on a pas mal de distractions. Et donc, ça, c'est j'ai des contacts de suivi régulièrement pour dire, ben voilà, comment ça se passe pour toi, t'en es où, t'as un jour de décalage, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, ben voilà, tu reprendras le lendemain ou le surlendemain pour... voilà, quand ce sera bien pour toi. L'idée est toujours de faire ce qui est le mieux pour soi selon son ressenti. Donc, c'est aussi un apprentissage d'être à son écoute, de jamais se forcer à faire des choses parce que ça, c'est tout à fait contre-productif, mais vraiment y aller avec beaucoup d'empathie pour soi-même, en fait. Ça développe l'intuition aussi, puisque tu disais, au début, je passe par le biais d'écriture, mais à force de pratiquer... ça s'articule intérieurement sans avoir besoin de le coucher sur papier, si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'est un peu des... Avec beaucoup de pratique. C'est ça, c'est des réflexes qui se mettent en place. On crée un peu un lien à notre inconscient. En fait, c'est l'écriture, c'est vraiment une porte vers l'inconscient parce que il faut savoir que 90 voire 99% de nos comportements sont décidés par notre inconscient, qu'on le veuille ou non. Et l'écriture, justement, nous permet de nous mettre dans un état un peu de conscience modifiée comme ça, qui permet de passer les barrières du cerveau et d'aller justement permettre à l'inconscient de s'exprimer et d'apporter sa lumière. Donc ça, c'est une technique privilégiée pour ça. Et elle permet aussi d'aller travailler dans la mémoire et donc de faire ressurgir des souvenirs qui sont enfouis, qu'on avait peut-être refoulés ou simplement des clés oubliées qu'on n'avait pas remarqué que c'était une clé de notre chemin. Et l'écriture permet aussi de faire ressortir ça. Et du coup, ces routes, plus on les emprunte, ben, plus on les nourrit et ça devient vraiment... un peu comme des réflexes et une habitude en fait. L'être humain est un être d'habitude et quand on prend des bonnes habitudes, ben le cerveau se dit oui, ça
C'est quand même pas mal ce qui s'est passé là. Bah, je vais le garder et je vais le réutiliser plus tard quand j'en aurai besoin. Et ça devient comme ça des outils de vie auxquels on peut faire appel quand on sent qu'on a besoin. Ça peut être aussi comme quand on commence la méditation, ça devient un besoin. On sent qu'il y a quelque chose qui nous nourrit, il doit y avoir des hormones qui se déclenchent. Et je pense que l'écriture, je le vis aussi, l'écriture, c'est pareil. Oui. C'est comme on a besoin de retourner dans le temple et de retrouver cette sérénité quelque part, cette intimité. Oui. C'est vraiment une porte, comme la porte d'un temple, quoi. C'est ça, tout à fait. Et ici, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a justement une participante au dernier programme de 21 jours qui s'était inscrite à un stage de batterie, donc un peu quelque chose qu'elle rêvait de faire depuis longtemps. Et un des jours du stage, il y avait une soirée avec toutes les autres personnes du groupe. Elle se dit, mais je dois quand même y aller, enfin, je ne peux pas louper cette soirée. Et en même temps, il y avait quelque chose au fond d'elle qui lui a dit, non, tu vas écrire, tu as besoin d'écrire là. Et donc, elle s'est dit, ok, je vais m'écouter mes besoins. C'est aussi tout ce travail-là d'écouter ses besoins et pas ceux des autres. Et elle a été écrire et elle m'a envoyé le lendemain. Ça m'a fait tellement de bien, je me suis reconnectée vraiment à l'essentiel. Qui est vraiment apparue du coup à ce moment-là dans ce qu'elle a écrit. Et elle dit, voilà, je me remercie d'avoir pris ce temps d'écriture pour moi. Et après, elle est allée à la soirée et en a profité beaucoup plus que si elle avait été directement, quoi. Alors, nous avons des questions de David. L'écriture permet de visualiser ce que l'on ressent intérieurement, demande-t-il. Alors, visualiser, ça dépend si tu es quelqu'un de visuel ou pas. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout visuelles. Mais en tout cas, ça permet de mettre des mots sur le ressenti. Et au début, c'est un travail qui peut être fastidieux parce qu'on ne trouve pas les bons mots. Et donc, l'idée, c'est de laisser venir, peut-être de tâtonner. Et petit à petit, les choses vont se préciser. Donc, parfois, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. On peut revenir plusieurs fois sur un thème ou une question qui nous préoccupe. Et chaque fois, on se rend compte qu'on va préciser finalement la réponse que la vie nous donne à ce qu'on écrit. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tu peux me dire si jamais tu veux. Si David est satisfait de la question ou si tu as d'autres questions, n'hésite pas, David. Et puis, nous avons Anne qui demande, est-ce que faire ce genre d'exercice, mais oralement, si on est moins versé vers l'écriture, comme en s'enregistrant sur un dictaphone, est-ce que ça fonctionne aussi bien? Selon toi, est-ce que les bénéfices sont les mêmes? Alors, selon moi, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que par l'écriture, il y a aussi quelque chose de très spécifique à l'écriture, c'est que... Et ça, c'est une patiente qui était à la fin de sa thérapie par l'écriture qui a dit ça et qui dit « Ce que j'ai écrit, je n'aurais jamais osé vous le dire. » Et donc, quand on oralise quelque chose, il y a une peur liée à l'oralisation qui est aussi inconsciente d'être entendue ou de ce qu'on dit peut se retourner contre soi. Il y a un peu ce genre de choses qui est là. Tandis que quand on écrit, c'est une autre approche qui relie finalement la tête, le cœur, et puis la main et le papier. Donc c'est une route particulière qui permet de libérer des choses qu'on ne libère pas oralement d'habitude, et qui peut éventuellement, si c'est des choses dont on n'osait pas parler, qui peut aider dans un deuxième temps à les aborder oralement. Maintenant, voilà, si c'est pas, tu peux, si toi ta technique privilégiée c'est plutôt l'oral, tu peux combiner les deux. Je partirais plutôt sur une combinaison, mais quand même en écrivant un petit peu pour aller chercher quelque chose de différent de d'habitude. Alors elle précise qu'elle n'avait pas pensé à la barrière de l'oral. Top, merci. Merci pour vos questions. Si vous êtes d'accord, nous pourrions dès à présent passer à la pratique. Si tu es prête, Céline, si ça te convient. Ah, moi, toujours. Voilà. Alors, génial. Alors, je suis l'outil de guérison suprême. Ah, génial.
Alors, quand j'anime un atelier, je mets toujours un cadre de sécurité. Voilà, c'est quelque chose de très important pour moi et pour les participants. Et donc, le cadre que je vous propose ici, c'est le respect. Le respect des personnes et des écrits. La confidentialité, donc ce qui se passe ici reste ici. Et la bienveillance, que ce soit envers les autres, parce que voilà, on est en groupe, donc il y a quand même cette énergie de groupe qui est là et qui nous influence les uns des autres. Et bienveillance aussi par rapport à vous-même. Donc, mettez votre petit critique intérieur de côté. On est là aujourd'hui pour se faire du bien et pour vraiment pour... on est là pour se faire du bien, même si ce n'est pas encore dans nos habitudes. Donc voilà le cadre de sécurité que je vous propose. Et comme premier petit échauffement, je vous propose d'écrire simplement de manière libre comment vous vous sentez. Alors ça peut être comment vous vous sentez ici et maintenant, et aussi en général dans votre vie. Et je vous propose de commencer simplement par « je me sens » et puis de laisser venir ce qui vient. Et je vous propose un temps d'écriture de 3 minutes. Et je vous donne le temps, comme ça, je vais vous dire quand il reste une minute, comme ça vous avez le... C'est toi qui donne le timing ? Vous pouvez pas me préoccuper du temps. Oui, je peux D'accord. Faire ça. D'accord, ok. Je vais noter. Ah, juste, on va préciser, c'est quelque chose que chacun gardera pour soi, hein, en fait. Oui, c'est ça. Ici, c'est pour vous. Voilà. Comme pour mettre tout le monde à l'aise. Génial, merci Estelle, c'est important. Il reste une minute. Je vous propose de terminer ce que vous êtes en train d'écrire. Et je vais maintenant vous proposer l'exercice qu'on appelle l'autoportrait chinois. Alors, ça va être en plusieurs temps. La première étape, c'est d'écrire « si j'étais un animal, je serais ». Et puis de compléter en ajoutant « parce que il ou elle est » et vous notez 3 adjectifs.
et vous avez une minute pour faire cela. Donc, si j'étais un animal, je serais, trois petits points, parce ouais. que... Il ou elle est, et puis vous notez trois adjectifs. Alors, quand c'est fait, vous allez écrire « Si j'étais un objet, je serais » trois petits points « parce que il ou elle est » et vous notez trois adjectifs. Dans cet exercice, on ne réfléchit pas, hein, il faut que ce soit instinctif. Oui, le plus spontané possible. Alors, quand vous avez terminé, vous pouvez écrire « Si j'étais un super-héros ou une super-héroïne, je serais trois petits points parce que il ou elle est » et trois adjectifs. Alors, quand c'est fait, je vous propose de souligner les adjectifs que vous avez écrits. Donc, vous avez 9 adjectifs normalement. Je propose de les souligner pour les mettre en évidence. Et quand c'est fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on voit dans le monde extérieur, c'est toujours quelque chose qu'on a déjà en soi, qui est déjà actif ou qui demande à être activé et à être nourri. Et donc, ce que vous avez écrit, en fait, ça parle de vous. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de relire ce que vous avez écrit en commençant par « je suis ». Et puis, vous lisez uniquement la liste des adjectifs parce que ce sont des adjectifs, en fait, qui parlent de vous. Et je vais vous proposer de faire cette lecture une fois silencieusement et puis de la faire oralement où là, on a un peu ce passage de l'écrit à l'oral pour amplifier l'effet de l'écrit et pour finalement envoyer ce message à l'univers. Donc je vous laisse faire ça chacun de votre côté. Quand vous l'avez fait, je vous propose de commencer une phrase par « merci pour » et puis vous écrivez ce qui vous vient pendant 2 minutes.
Il reste une minute environ. Je vous propose de terminer ce que vous êtes en train d'écrire. Et puis enfin, à nouveau, d'écrire une phrase ou quelques phrases qui commencent par « je me sens » et vous écrivez comment vous vous sentez ici et maintenant. Et puis vous continuez « je me sens » trois petits points et « je veux » et vous écrivez ce qui vous vient pendant 3 minutes. Encore 1 minute. Et je vous propose de terminer ce que vous êtes en train d'écrire. Et là, Estelle, je ne sais pas, c'est une proposition. Donc, j'avais éventuellement comme idée que quelques personnes qui ont envie lisent ici la dernière phrase ou les dernières petites phrases qu'ils ont écrites. Soit les mettre dans le chat, soit les lire oralement au groupe. Mais je ne sais pas comment tu le sens, comment tu fonctionnes d'habitude. S'il y a des mots-clés ou des phrases que vous voulez nous partager, bien sentez-vous libre de le faire. Alors, voilà. Je vais donner l'exemple. Hein. Merci, Estelle. Alors, moi, je peux le dire à l'oral, en fait. Vas-y, c'est ton privilège. Déjà, j'ai trouvé ça marrant, moi. J'ai trouvé ça rigolo. Et je me dis, mais c'est une activité qui nous sort de l'utile. Souvent, on cherche à faire des choses utiles. Enfin, ça dépend des natures, et ça nous sort du faire et de l'activité utile. En fait, elle nous l'est utile, mais dans un second temps. C'est ça. Ça reste ludique dans le
Oui. Alors Muriel, merci pour vos partages. Muriel, je me sens vivante et je veux me reprendre en main, donner un sens à ma vie, trouver ma place dans la vie et dans ce monde. Merci pour le partage, Muriel. Merci, Muriel. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir quelles sont les différences entre comment on se sent au début et à la fin. Hein, tout à fait, c'est le but. Et ici, le partage, donc, quand il y a des moments de partage, c'est toujours une proposition. Donc, on n'est jamais obligé de partager si on n'a pas envie. Et quand on le fait, en fait, on se rend compte que ça apporte une étape supplémentaire d'oser quelque part partager son texte avec d'autres. Et donc, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi et qu'on fait aux autres aussi, parce que souvent, mais ça, c'est vraiment incroyable, l'écho qu'il y a entre les participants, c'est vraiment magique. Et on reçoit du coup des autres tellement de cadeaux quand ils partagent leur texte. Donc, c'est souvent des moments très émouvants quand ça se passe. Ah, ça y est, tout le monde qui nous partage, c'est cool. Merci. Alors, David, je me sens vivant et je veux l'épanouissement dans ma vie. Anne, j'ai adoré les exercices, les différentes étapes amènent à une énorme ouverture du cœur. C'est vrai. Merci. En peu de temps. Docteur Cassimi, je me sens à l'aise, sereine et je veux que cet état se prolonge davantage. Merci. Julien, je me sens reconnaissant et je veux continuer à connaître. Ah, magnifique. Un adepte des jeux de mots. Génial, merci Julien. Geneviève, je veux m'épanouir, je veux créer, danser avec le monde invisible. Merci Geneviève. Daniel, je sens le lâcher prise et une plus grande bienveillance envers moi-même. Génial. Colette se sent en confiance. Merci Colette. Est-ce que ça ressemble à ce que vous aviez noté au début tout en haut de la feuille ? Roulement de tambour. Ah oui, waouh. Merci Muriel. Alors Muriel nous dit qu'au début elle se sentait inutile et sans motivation. C'est drôle, ouais, c'est drôle. Comment en peu de temps. Moi je ressens aussi que ton énergie dans ta guidance permet ça aussi. Ah oui, ta qualité de vibration. Alors Julien nous dit non, c'est différent de ce qu'il avait noté au départ. Moi, au départ, j'avais tendance à écrire un pavé quelque part. Et à la fin, c'est plus léger, c'est plus subtil, c'est plus. Hein, c'est. Plus essentiel. Et aussi plus positif. Ah, pour Geneviève, c'est dans le même esprit. Génial. Ça a confirmé. Docteur Cassimi, personnellement, l'écriture me libère et me donne des ailes. Ben voilà. Voilà, j'ai mis un aigle derrière moi, les plumes de la liberté. Je me sens libre et je veux être toujours à mon écoute, aimer la lumière de la vie et la partager. Jennifer, merci. C'était assez sensiblement ce que j'ai écrit aussi, moi. Parce que moi, ça m'a beaucoup amusée, en fait. J'ai trouvé ça déconcertant, en fait. Donc je me suis sentie amusée. Et j'ai noté, je veux encourager les autres à le faire, être un phare de lumière pour ceux qui en ont besoin, accomplir ma destinée et célébrer. Ça m'a donné envie de festoyer. Enfin, moi, il ne faut pas que je pense pour avoir ça. C'est différent du début. Ça réveille le côté vivant, pétillant. Oui, et ça nous reconnecte à notre âme d'enfant, comme tu disais, notre enfant intérieur, mais qui, en fait, il a juste envie de s'amuser sur Terre. Il est venu pour ça, lui. Et c'est ça aussi, l'écriture, ça... C'est à ce côté très ludique qui permet aussi de, comme tu dis, finalement de faire tomber des barrières complètement inutiles dans notre vie de tous les jours, en fait. Et des barrières comme des barrières mentales. Oui. De jugement, d'auto-jugement et tout ça. C'est ça, c'est le cœur est beaucoup plus libre de s'exprimer, en fait. Alors, Anne, au début, c'était plutôt descriptif, mon état, et après... État en énergie plus élevée, c'est ça. Ah ben voilà, génial. On a au début une description plutôt mentale. Et ensuite, on est plus dans le cœur.
globalement. Habiba nous dit merci pour cette belle ambiance bienveillante. Si parmi vous qui nous regardez, même en replay, s'il y a des personnes qui se souhaiteraient ou qui sont en train de se lancer dans l'écriture, qui ne savent pas trop comment franchir les premières barrières, eh bien, qu'est-ce que tu leur conseillerais, Céline ? Alors, pour les personnes qui sont un peu hésitantes au début, moi, ce que je conseille, c'est, bon, par rapport à ce que je propose comme format, c'est de tester. Donc là, ben, en fait, déjà, vous avez déjà fait le premier pas qui était le plus dur avec ce petit exercice. Donc, vous êtes déjà initié, entre guillemets, si je peux dire ça. Donc, le plus dur est fait. Vous avez goûté à l'écriture et vous avez ouvert cette porte en vous déjà. Si vous voulez approfondir, ce qui est chouette, c'est de venir à une séance d'une heure. C'est des séances indépendantes que je propose. Donc, les personnes peuvent venir quand elles ont envie, quand elles ont le temps, quand elles ont le besoin. Et c'est chaque fois des séances qui forment un peu un bloc. Et donc, la personne vient écrire en étant guidée, mais chaque fois sur ce qui est bon pour elle d'écrire à ce moment-là. Ça, c'est le plus facile pour lancer son processus, je dirais. Oui, et à ce sujet, alors on a un cadeau pour vous, c'est-à-dire toute personne qui va voir cette vidéo, que ce soit en tant que participant ou sur le replay, etc., eh bien, vous pouvez obtenir des avantages spécifiques pour des accompagnements et des ateliers avec Céline. Alors, le site, c'est écrit-devient.com. En vérité, c'est écrit et devient toi-même, hein, mais voilà. Oui, oui. Alors, sur le site, il y a les programmes d'accompagnement, donc il n'y a pas les ateliers d'une heure. Les ateliers, là, ils sont plus, je les présente sous forme d'événements Facebook. Mais donc, voilà. Donc, il y a aussi des... Alors, il y a vraiment parfois des gros changements de vie, et là, on a besoin de quelque chose de plus approfondi. Ce sont des accompagnements... pour des transitions de vie, faire des bilans. C'est ça. Donc, oui. Mais du coup, si je récapitule dans l'ordre, peut-être sera plus clair pour les gens. Donc, j'ai l'atelier hebdomadaire d'une heure par semaine qui est donc à la séance. Et là, c'est le samedi matin, donc en ligne de 9h à 10h. Et puis, j'ai des programmes d'écriture. Donc, j'ai le programme de 21 jours. Qui est un programme axé sur les émotions et la libération émotionnelle des émotions qui toxiques qu'on refoule à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est 21 jours, 10 minutes par jour. Et puis, j'ai un gros programme sur 3 mois, qui là, c'est un programme qui s'appelle Bilan et transition de vie. Et c'est vraiment pour faire le point sur sa vie à 360 degrés, donc dans tous les domaines, tous les domaines de sa vie. Et d'insuffler une nouvelle dynamique en étant connecté à nos valeurs profondes pour vraiment être aligné avec notre vraie nature et ce qu'on est venu incarner. Donc ça, c'est un gros programme d'accompagnement sur 3 mois. Et puis, j'ai aussi des accompagnements individualisés. Là, c'est selon si vous avez quelque chose de précis à travailler. Par exemple, ici, cet été, j'ai une dame qui a vécu avec un mari violent il y a une dizaine d'années, qui a fait énormément de travail sur elle durant ces 10 dernières années avec une psychologue, avec le théâtre. Et si elle avait envie vraiment de tourner la page et d'arriver à écrire une lettre à la fois à son mari et à ses enfants qu'elle ne voit plus depuis des années à cause de lui. Et donc, pour elle, j'ai créé un programme d'écriture vraiment personnalisé, vraiment en fonction de ce qu'elle voulait travailler et du résultat qu'elle voulait obtenir. Donc ça, c'est possible aussi. Et à ce moment-là, on définit à deux votre programme qui est le plus adapté pour vous. Sur mesure. Oui. Alors, dans un premier temps, ce que tu nous proposes pour chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, c'est une séance personnelle par téléphone ou par visio, je ne sais pas comment tu fonctionnes, d'un quart d'heure pour établir pour faire un point personnellement avec vous, sans frais. C'est ça, complètement. Donc, c'est une séance tout à fait, voilà, c'est une discussion qu'on a à deux pendant environ un quart d'heure pour voir votre situation actuelle et ce que vous avez envie de dépasser dans votre vie, d'améliorer. Et en fonction de ça, si c'est la meilleure chose
que je peux vous proposer, je vous fais une proposition de ce qui est le plus adapté à votre situation. Et si je vois que l'écriture n'est pas adaptée dans ce cas-là, à ce moment-là, je vous redirige vers d'autres pistes qui peuvent vous aider. Et à partir de là, donc sur chacun des programmes que tu proposes, tu offres une réduction et certaines sont assez conséquentes. Donc ça, c'est Céline qui vous expliquera, mais il y a en tout cas un tarif privilégié pour toute personne qui regarde cette vidéo. Il suffit de mentionner que vous venez de la part de Soneva. Et voilà, non seulement donc il y a cet entretien pour déterminer vos besoins et comment Céline peut vous aider. Et puis ensuite, vous serez informé de tout ce qu'elle peut vous proposer. Oui, je peux mettre le lien pour prendre rendez-vous. Oui, on peut déjà le mettre sur le chat. Comme ça, si vous voulez, demain, la journée est déjà complète, mais j'ai réservé du temps vendredi et samedi pour justement prendre des rendez-vous avec vous si vous êtes intéressé d'en savoir plus. Vous pouvez, voilà, j'ai mis le lien, you can book me, vous pouvez déjà prendre rendez-vous avec moi dans l'agenda électronique aujourd'hui ou demain. Je te remercie infiniment. Si vous avez des questions, comme on va se quitter, ben c'est le moment de les poser sur le chat. Et peut-être que tu avais d'autres éléments à nous transmettre. Tu voulais terminer sur quelque chose en particulier ? Oui, ben tu fais bien de le dire. Du coup, quand on écrit, ben ça fait remuer beaucoup de choses à l'intérieur. Et donc, c'est très conseillé de boire beaucoup pour aider le corps à éliminer les toxines. Donc aujourd'hui et demain, n'hésitez pas vraiment à prendre soin de vous et à boire pour soutenir le travail qui a été initié aujourd'hui par ce que vous avez écrit. Merci. C'est vrai que du coup, ça met des choses en mouvement, mais comme un verre d'eau où il y aurait du sable au fond, bah, pendant un temps, ça va être brouillé. Donc, il faut attendre que le sable y redescende. C'est un peu l'image que j'ai. C'est ça. Oui, tout à fait. L'idée, en tout cas, quand c'est de l'écriture libre, c'est que ça soit spontané. Mmh. Et donc, ça peut parfois ne pas, enfin, donner l'impression de ne pas avoir de sens. Mais peut-être pour l'inconscient, ça a beaucoup de sens. Alors, parfois, il faut juste pas se poser de questions. On a écrit ce qu'on a écrit. Ça va faire travailler quelque chose. Et peut-être que plus tard, si on relit ou même pas, ça va peut-être juste faire un déclic comme ça. On va dire, mais oui, en fait, je comprends pourquoi j'ai écrit ça. En fait, il y a un lien avec ça dans ma vie. Je vois ça différemment. Donc ça dépend. Ça dépend. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne sait pas prévoir. Et si tu as envie de creuser, tu peux aussi refaire une séance d'écriture plus analytique en disant, bah, tiens, et tu commences, voilà, j'ai écrit ça et je me demande ce que ça signifie. Et puis, tu vois ce qui vient après. Tu peux réécrire sur quelque chose que tu as écrit avec l'intention d'approfondir. Et en général, ça apporte aussi des réponses intéressantes. Tout ce qu'on écrit est toujours juste. Donc ça, c'est aussi pouvoir travailler ce non-jugement vis-à-vis de soi-même, en fait. Tout ce qu'on écrit est toujours juste. Mais après, si ça t'interpelle, tu peux revenir dessus et dire, ben, maintenant, j'ai envie d'écrire à partir de moi et voir si ça change quelque chose, en fait. Mais c'est jamais sans renier rien du tout de ce que tu as écrit. Parce que tout fait partie de toi, en fait. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, eh bien, vous allez pouvoir regarder le replay dès ce soir en primeur. Et n'hésitez pas à visiter le site de Céline Dandois. Donc, on a dit que c'est écrit-devient.com. Et puis, je vous retrouve pour ma part dès samedi avec la suite de l'initiation en ligne Alchimie de l'être au fil des saisons avec Sylvie Gardulot. Nous allons préparer le cycle de l'automne. Il est encore temps de s'inscrire. Vous pouvez également découvrir tous les autres événements sur le site suneva.ca. Merci beaucoup, Céline, de ta belle présence et de nous faire découvrir les bienfaits d'écriture. Ah, rendez-vous avec grand plaisir. Muriel. Ah, ben génial. À bientôt, Muriel. Avec grand plaisir. Bonne continuation. Merci à tous. Et puis, au plaisir de se retrouver. Au revoir, Céline. Au revoir, Estelle. Bonne soirée à tout le monde.